Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre des dévolutions au trône ou alors au pouvoir, que ce soit dans les monarchies ou alors dans les entités de type démocratique républicaine, la question de la succession fait toujours couler beaucoup d'argent et fait charrer de nombreuses curiosités. Aujourd'hui, nous revenons dans notre série sur la connaissance de la culture américaine, l'anthropologie de la culture américaine avec ce sujet. Donc, notre conversation de ce jour avec euh, Dieu de Netoukam tournera autour de la succession en pays bamiliké. Dieu de Netoukam, bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci d'être avec nous encore au milieu de vos obligations, de partager vos connaissances, vos recherches avec notre public. Alors, en pays bamiliké, de manière générale, comment accède-t-on au trône Par la guerre par décès du chef ou alors euh, juste par une désignation. Généralement, euh, ça se passe de manière classique. Un chef supérieur hein, décède. Au bout de quelques jours, on, on arrête entre guillemets le prince héritier. Le prince héritier qui doit être un prince né sur une peau de feu, c'est-à-dire un prince qui est né pendant que son père était déjà sur le trône. Mm -hmm. Cela nous permet de savoir que en général, les enfants qu'un chef a eu avant d'accéder au trône ne peuvent pas prétendre à la succession. Donc le chef, le, le, prince, le un, un, un prince héritier arrêté, assorti, son arrestation est assortie de celle de d'un cupu, du prince héritier adjoint mm -hmm. et tous, tous les deux constituent une suite qui va séjourner à la case initiatique. La case initiatique est appelée le LACAM. Surtout chez les familles francophones. D'accord. Pour faire simple, l'héritier ou alors celui qui doit succéder doit être, doit être issu d'une couche, de la couche du roi en fonction. Si un enfant est né avant que le, le roi n'ait été en fonction, il n'est pas compté. En principe, mmh. en principe. Mmh. Cela signifie clairement que l'aîné des enfants du chef ne n'est pas forcément celui qui sera, qui sera au trône après son décès. S'il n'est pas né quand le chef était en fonction. Oui, c'est cela. Mmh. cela. D'ailleurs, c'est un pays babilonien, c'est... C'est un peu différent de ce qui se passe par exemple chez les forestiers. Oui. C'est plutôt rare de choisir pour successeur, que ce soit à la chefferie, chez un notable ou bien chez un simple sujet, le premier fils. Mm. C est, c est, ça existe, mais c'est plutôt rare en pays américain. On estime que le premier fils est l'ami du père, son confident. C'est lui qui est censé conseiller les cadets. Et pour qu'il joue véritablement ce rôle-là, il ne faut pas qu'il soit le chef de la grande famille. Donc il ne faut pas qu'il succède. C'est qu'on avance généralement. Alors, du moins, c'est ce que j'ai obtenu de la plupart de mes informateurs. Alors, comment se passe le choix du successeur, sachant que le roi, a, le chef, a en général plusieurs épouses. Quels sont les critères sur lesquels le, le roi ou bien le conseil des notables désigne le successeur On ne peut pas épiloguer sur les critères parce que. Cela relève du pouvoir discrétionnaire du chef, du chef qui s'en va, qui sait qu'il va partir un jour. Tout ce que l'on sait, et je le dis très bien dans mon livre, c'est que le chef sait pertinemment, avant de partir, qui va lui succéder. Il peut faire même appel. Au médium, lorsqu'il a des petits doutes, il peut faire appel aux esprits d'ancêtres, à partir des sanctuaires de divinité ou à partir du panthéon. Il peut consulter les aspects en la matière pour euh, pour savoir ce qui se cache dans l'esprit de chaque enfant. Qui peut prétendre à ce poste-là. Mm -hmm. et On dit aussi que et ce n'est pas toujours vérifié que le prince héritier naît avec des signes, avec des signes visibles sur lui mm -hmm. qui montrent clairement qu'il qu est destiné au trône. Mm -hmm. euh, c'est pas toujours vérifiable. Alors, De toute manière, c'est la décision revient mm -hmm. au père. Alors, le successeur et sa suite constituée vont passer quelques temps dans la case initiatique, le LACAM, j'imagine. Oui, oui. Le LACAM. Mmh. Neuf semaines. Neuf semaines, le temps de la vie. qu'est-ce qui se passe Que font-ils là-bas réellement euh, le, euh, le chef, le chef, le prince héritier, il n'est pas encore chef, le prince héritier, son adjoint, euh, euh, son futur chef de cabinet, son futur chef de sécurité, euh, sa goûteuse, parce que le chef a, a toujours une goûteuse. Mm -hmm. Je le dis et j'insiste là-dessus parce que nos jeunes chefs d'aujourd'hui sont en train de d'écarter un peu cette pratique et ce n'est pas bon du tout. Mm -hmm. La goûteuse est un peu l'auparavant contre toute tentative d'empoisonnement. Vous parlez de goûter, ouais. c'est-à-dire c'est une femme? Oui, oui, c'est oui, une sœur une une consanguine du chef, généralement une jeune fille, mm -hmm. qui accompagne le prince héritier au lac cam mm -hmm. et qui est censée goûter tous ses repas. C'est-à-dire, ouais. goûte ses repas, on attend 30 minutes ou une heure pour voir ce qui se passe. Mm -hmm. Oui, c'est un, un sas de sécurité en quelque sorte. Oui. oui, pour son alimentation. Donc, il y a tout ce beau monde qui va au, à la case initiatique, au LACAM. Et là-bas, on initie le, le prince héritier et son adjoint aux arcanes de, du pouvoir, du, du pouvoir. Et aux arcanes du monde mystico-religieux. On, l on les introduit dans le monde métaphysique, dans le monde cosmique. On leur attribue des totems. Et on leur apprend à administrer, à administrer le village. Le chef doit en sortir étant un très bon chef de guerre, un très bon justicier. Il, il doit être un très bon chef de famille. Il doit en sortir étant un administrateur euh, qualifié. Euh, oui, vraiment qualifié. Mm -hmm. Je vais ajouter qu'à la suite du chef, euh, il y a dès même si le prince héritier n'a que 15 ans, ou 14 ans, cela s'est arrivé. Et concernant, par exemple, le, le chef euh, Sokunju de, de, Bamendjou, de Bamendjou. oui, qui est allé euh, à, dans la case initiatique à 14 ou 15 ans, quand c'est le cas, euh, il lui faut une femme. On lui cherche une femme, plus deux jeunes femmes de son feu père, des femmes encore capables de procréer. Qui deviendront ces femmes? Oui. Donc, euh, ces trois femmes-là doivent, doivent séjourner avec euh, le prince hé héritier au LACAM. Et au sortir du LACAM, on doit avoir vérifié le niveau concernant la procréation. On mm -hmm. doit constater que l'une de ces femmes est enceinte. Mm -hmm. Et le premier fils du, du chef qui sort du lac est évidemment appelé, Alors, et notamment à l'ouest. De l'autre côté, ça a un autre nom. Il doit s'appeler Toukam. Mm. Un nom comme le mien. Oui. Mm. Le second doit être Pokam, et ainsi de suite. Mm. Les prononciations peuvent changer, mais la symbolique est la même. Mm -hmm. Donc, on doit savoir que le chef peut procréer. Mmh. Alors, qui les initie des notables, spécialisés ou alors des membres des sociétés secrètes Oui, mais les grands notables, les grands notables, notables. un conseil des neufs, euh, euh, des, des gens qui sont choisis depuis mmh. des siècles pour faire ce travail, Cette tâche. oui, pour faire ce travail-là. Et naturellement, il y a plusieurs spécialistes. Il y a un spécialiste et des questions de communication avec des esprits, par exemple. Il y a un spécialiste de l'art de la guerre, la folie il, il y a des spécialistes dans tous les domaines. Il y a un spécialiste de la justice, des questions de justice. Oui. On doit apprendre aux princes héritiers comment euh, euh, juger ces sujets, comment euh, démêler les chevaux. Lorsqu'il y a des problèmes entre les sujets, mm. on, doit, on doit lui enseigner tout. On doit leur enseigner tout, je précise, parce que oui, tout ceci. ce que le prince héritier apprend, c'est exactement le même contenu qui est réservé au sous-chef occupant. Mm. Parce qu'on suppose que si le prince héritier ne peut pas satisfaire toutes les conditions, le, le sous-chef. Le, le cupo, le prince de le, ouais. son adjoint devrait régler le problème. Oui. Dans certains groupements, on a même deux adjoints, oui. toujours pour parer à toute éventualité. Mm -hmm. oui. Tous désignés par le chef qui décède, par le chef qui est en train de partir. Euh, bon, il y a polémique là-dessus. Je sais que dans certains groupements, eh, le, dans les groupements où on a deux adjoints au prince héritier, le deuxième adjoint est souvent désigné par les grands notables. Mm -hmm. C'est ce qu'on dit. Mais toujours au sein de la famille régnante. Cela est évident. Sorti... La seule différence est que oui. le prince héritier et son adjoint ne peuvent pas être des frères utérins sortis de. de, de ne, peuvent, ne peuvent pas être des, des frères. ne de de, de <laughs> devraient pas avoir une même maman. Oui. oui. Il y a oui. tout. Alors, que se passe-t-il au sorti du LACAM après les neuf mois de formation Neuf, semaines. Sais, neuf Les semaines. neuf semaines d'initiation. Bien entendu, on organise la grande fête mm -hmm. pour, introniser, mm -hmm. pour introniser le jeune chef. Mm -hmm. Lorsqu'il sort du LACAM, il est déjà chef. Il n'est plus prince héritier. Il devient un chef. Il devient un souverain qui est appelé à gouverner. C'est juste une cérémonie de revêtement des attributs, en fait. Oui, ces attributs, euh, notamment mystiques, euh, oui, sont déjà sont déjà accordés au niveau de la case initiatique. Mm -hmm. Actuellement, il s'agit de, de présenter le jeune chef au simple sujet euh, et ainsi qu'à l'administration, qu à l'administration. Mm -hmm. Et c'est à cet égard que euh, le, le gouverneur, le préfet, le sous-préfet peuvent être invités. Toute l'élite, toute l'élite euh, économique, euh, financière, intellectuelle est invitée. Mm -hmm. C'est une grande fête. Mm -hmm. Et on, on intronise le jeune. Entre-temps, euh, je, je, il convient que je donne cette remarque. Pendant le séjour du prince héritier, on continue, on continue à lui chercher des femmes. Mm -hmm. Oui, parce qu'il doit constituer son harem. Il doit constituer son harem. Doit-il toujours avoir plusieurs femmes Oui. Mm -hmm. Absolument. Mm -hmm. Absolument. Peut-il refuser le choix porté sur lui mm. De nos jours, de nos jours, un prince, euh, un prince héritier, pendant son séjour, euh, peut demander à voir les photos de ces jeunes filles-là mm -hmm. et donner son point de vue. Hein, et dire vraiment, ces filles ne sont pas belles comme je l'aurais souhaité. Cherchez-moi mm d'autres. Cherchez-moi d'autres. Mm -hmm. Cherchez alors cette recherche Mais en temps là... normal, on, pendant qu'il est au lac, on lui impose des, des femmes. Pour oui. vérifier sa lui. virilité, oui. sa fécondité. De toute manière, euh, euh, celle qui est allée, et la, celle qui deviendra la, qu a, la, la, la reine, ainsi que les deux veuves de, de son père, les trois sont censés garantir mmh. la procréation même, les capacités de procréation du prince héritier. Mmh. Le fait est que on doit continuer à chercher des femmes pour la chefferie, parce que la chefferie supérieure ne doit pas rester vite. Mmh. Si son père a laissé une trentaine de femmes, il faut bien qu'il commence son règne avec au moins une dizaine, mm -hmm. ce serait une bonne chose. Mm -hmm. alors, dans le choix des femmes du chef, y a-t-il. On va poser la question autrement. Peut-on dire non au chef dans le choix d'une femme Si, si point ou alors le conseil des notables qui une femme arrive dans une, arrive dans une famille et demande à prendre telle ou telle fille, peut-on refuser de la lui donner Par au passé, c'était impossible. C'était impossible mm -hmm. de dire non. Mm -hmm. Lorsqu'une jeune fille était choisie, les parents de la concernée se pliaient à la décision d'un notable, d'un proche collaborateur du chef qui, qui avait désigné cette fille. Ils y voyaient certainement un bon symbole de. Parce que si les parents euh, s'en offusquaient, ils subiraient. Des représailles. Mm. On pourrait même les excommunier, les chasser du village. Euh, De nos jours, euh, les choses ont relativement évolué, mais les représailles demeurent. Les représailles demeurent. Si on si on sent que une jeune fille particulièrement belle est susceptible d'être choisie, on peut l'envoyer très loin mmh. très loin du village et lui demander mmh. res de rester là où elle se trouve pendant bien longtemps mmh. et de ne, plus de ne plus revenir au village afin d'éviter d'être en conflit avec oui. l'autorité oui. traditionnelle tout à fait mmh. tout à fait si elle est déjà choisie si et un collaborateur du chef, un notable, a déjà porté son dévolu sur elle. Et s'il y a un moyen de s'échapper, elle peut très bien le faire, mmh. à condition de ne plus revenir au village pendant un certain temps. Ouais. Les, les parents de la concernée doivent subir quelques représailles, mais avec le temps, ça peut changer. Ce n'est plus radical comme par le passé. Dans la gestion quotidienne du nouveau chef, il a certainement besoin d'un certain nombre de signes distinctifs, de sur le plan formel et même d'attributs. Comment se présente-t-il à la foule il y a Une canne, un a un siège particulier Quels sont les éléments qui permettent d'identifier un chef D'abord, son chapeau. Très souvent, c'est une chéchia, c'est une chéchia noire. Qui est généralement faite de fibres particulières. Et je le dis dans l'ouvrage, euh, les fibres qui sont utilisées sont souvent teintées mmh. par des potions particulières, des potions qui ont euh, une certaine puissance cosmogonique. Mmh. Oui, c'est ce qu'on dit. Euh, une diversité de colliers une diversité de colliers, mmh. surtout des perles, des perles originales, des perles bamilikées. Vous savez qu'il existe des perles Bamiliki Non. qui coûtent particulièrement cher. Des perles. Qui se trouvent spécialement en zone euh, grassfield. Ça se vend déjà partout. J'en ai vu ici à Tchinga. Oui. Des perles. Euh, le signe le plus distinctif pour les connaisseurs. C'est le bracelet de cuivre qui passe d'un chef à l'autre. Donc on peut avoir un bracelet vieux de 500 ans. Lorsque mm -hmm. le chef part, décède, le bracelet de cuivre qui symbolise la puissance même de la chefferie et du village est... Donné au prince héritier pendant son séjour. Mmh. Il faut dire que, je dois le dire pour le regretter, Et les détournements de succession semblent exister encore en pays Bamileki. Justement, on en venait. Et on a constaté qu'il y a de plus en plus de faux bracelets de cuivre. Constatez très bien que le notable, le grand notable qui est censé donner, puisque le grand notable très souvent, c'est l'autotémiseur. Pour... Oui, oui. Je vois quelques cas, je suis allé dans plusieurs groupes. Moi, j'ai constaté que c'est l'autotémiseur mmh. qui met ce bracelet-là. Lorsqu'un prince héritier est, est, est imposé, c'est des cas qui peuvent exister. Tout ce qu'on peut faire pour que le jeune chef ne crève pas. C'est d'éviter de lui porter le bracelet de cuivre, le bracelet original. On en fabrique et il porte. Pourquoi? Parce que s'il porte le bracelet original et n'est pas euh, Suffisamment euh, le prince oui. désigné, oui. oui, il va en crever. Il va en crever dans des délais très courts. Mmh. Ça, C'est ce que l'on sait. Du Donc, coup, l'original est remis à quel moment L'original est gardé. Je connais il y a un cas de figure, je connais un cas de figure en pays bamileke où le bracelet de cuivre, ça c'est une confidence. Je, et c'est lui qui me fait la confidence, me montre sur le bracelet et me dit ce bracelet là depuis 31 ans. Voilà le vrai bracelet. Ce que vous voyez là, ce n'est pas ça. Je, donc, je vois ça concernant un chef parmi mm -hmm. Je vois ça. Donc, heureusement, les cas sont rares. Mm -hmm. Mais concernant les détournements de succession oui. chez les notables, il y en a. Il y en a. Justement, il y en le a mode un de succession chez les notables est-il identique à celui des, des chefs? Et Comment ça se passe chez eux. Non, vous vous en doutez, ça ne peut pas être la même chose. Mm. Un souverain, c'est quand même un souverain. Les attributs ne peuvent pas être les mêmes. Et tout ce qui va avec. C'est vrai que les grands notables les, subissent, les, les, les héritiers de grands notables subissent quelques rites. Ils vont même dans une case initiatique. Ils passent moins de temps que le prince héritier, ils apprennent beaucoup de choses. Mm -hmm. Mais dans le même temps, on doit remarquer que l'étape successorale qui permet au successeur du grand notable d'acquérir toute la puissance mystique, dans le bois sacré ou dans un endroit prévu à cet effet, cette étape-là est un peu plus incommensurable. Plus C'est une étape plus forte. C'est beaucoup plus fort. Rappelez-vous que je vous ai dit que plusieurs membres du conseil des neufs dans un groupement Bamileke, sont plus forts que le chef, à mains égards. Mm. Donc, euh, mais, mais de toute manière, la succession chez les notables est écourtée, un peu plus facile, sauf lorsqu'il s'agit du côté mystique. Très bien. C'est sur cet aspect, cette dernière réponse, que nous achevons cet entretien. Mesdames, Messieurs, à très bientôt sur Africa TV. Merci je tout comme. Je vous en prie.